Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Fraîchement ici, il fait très froid, mais il fait soleil, donc c'est très bien. On se retrouve pour une petite balle, voilà, j'ai eu du courrier, j'ai encore un colis et un autre courrier à ouvrir, un colis de Karine et un courrier anonyme, je ne sais pas ce que c'est. Et là, on va ouvrir la fameuse lettre de Yann. Il ne fallait pas ouvrir avant le 21 janvier. On est le 21 janvier, donc je vais ouvrir son courrier. Et puis, on va découvrir le lot que j'ai gagné sur la chaîne Le Scarf de Brigitte. C'est une chaîne que je viens de découvrir il y a quelques mois. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà. J'aime aussi son humour. Et voilà, on va découvrir tout ça. Donc, on va découvrir d'abord le courrier de Yann, avec un superbe joli timbre. Merci Yann. J'aime les timbres sur les enveloppes. Les vrais timbres, pas les vrais timbres, quoi. Je trouve que ça a un cachet, outre que les timbres qu'on achète en ligne. Hein, c'est voilà. Hein. Hop, c'est ouvert. Voyons, c'est un Yann. Hello 2023. Alors, c'est une petite cartonnette avec les fonds gel presse de Yann. Voilà, c'est juste magique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait en gel presse, en fond gel presse. Et les créations qui suivent après sont pouf. Allez voir Yann. Voilà, j'aime ce qu'elle fait, j'aime sa patouille. Alors. Ah ouais, c'est ce que je fais, Yann. Je prends du temps pour moi. Je ne scrape pas beaucoup. Je fais des créations un petit peu abstraites, comme à certaines périodes. Voilà, quand. Ah, c'est mon chien qui aboie. À certaines périodes, je fais de l'abstrait. D'ailleurs, j'ai encore du gesso sur les doigts. C'est pas propre. Voilà. Merci pour ta carte, toute simple, mais alors qu'il fait un joli effet. Un coup de pinceau pour faire du noir sur le fond couleur. Et puis un petit sentiment écrit à la main. Et voilà. Merci Yann, c'est très très gentil. Je te souhaite aussi, je te renouvelle mes voeux parce que je t'ai envoyé une petite carte. Donc voilà, je te remercie beaucoup. C'est très très gentil. Je souhaite plein de bonnes choses. Elle m'a mis dans son enveloppe des tamponnages étiquettes. J'adore les étiquettes. Et voilà. Je vais m'amuser à découper. Et puis à les classer dans ma boîte. Donc elle m'a mis 4 en dessous. Très joli tampon étiquette. J'aime beaucoup. Beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là. Ça c'est. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà. C'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait. Moi j'aime beaucoup, franchement. Alors c'est sur du papier canvas. Elle a dû faire des touches soit au pinceau, soit à la gel presse. Et elle est venue avec des posca blancs et noirs faire des motifs sur ses bandes de canvas. Voilà, voilà, toute simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas au courant, hein, c'était pas à ouvrir. Oh là là. Alors j'ai de nouveau une carte de vœux. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? D'accord, donc je suppose qu'on va voir ce soir en vidéo ceci. Voilà, c'est ce qui va en fait avec la petite carte. C'est juste trop beau. Là, on voit mieux l'effet. D'accord, alors c'est un papier canvas, c'est superbe. J'adore, c'est superbe. Superbe. Alors je sais pas si c'est si je pense qu'elle a fait un fond sur un canvas, un fond bleu à la gel presse, je pense, parce que je pense voir des petites traces plus ou moins de différents tons de bleu. Et là
Je suppose qu'elle a pris ses marqueurs noirs et sa peinture blanche ou son Posca blanc. Et voilà, elle m'a fait une PY. Je suis contente. Voilà. Alors, elle a appelé ça comment? Ah là là. Collaboration grunge avec Mondrian. Je connais pas ma chaîne. Turquoise. Ah, c'est beau. C'est très beau ce que tu as fait. Elle l'a fait le 18 décembre. Regardez comme c'est joli. Alors, il fallait s'inspirer d'un peintre. Bon, ben, moi, vous ne verrez pas la vidéo parce que je n'avais pas envie de tourner de vidéo ce mois de janvier. Je vous l'ai dit. Donc, pour ce challenge, il fallait mettre sa touche personnelle. C'est-à-dire, pour elle, elle a fait le fond à la gel presse, je pense. Et s'inspirer d'un peintre voilà, qu'on aime. Et entre autres, c'est Mondrian. Je suis désolée, mais je ne connais pas. Il va falloir que j'aille sur Google. C'est juste. Je vais en enlever une pour que vous voyez bien. C'est juste superbe. Superbe. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. J'adore. C'est trop trop beau, Yann. Il va falloir que j'aille sur Google voir qui c'est ce peintre parce que je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est trop trop joli. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. PY de Yann qui est à l'origine de l'idée de la PY. Voilà. J'essaierai de mettre un lien de sa chaîne pour la PY. Oh là là, qu'est-ce que je parle mal. Bon, je vous mettrai un lien pour la PY sur la chaîne de Yann. Voilà, j'en ai fait aussi. J'adore ça. Là, je suis en stand-by. Je ne fais pas grand-chose, à part de l'abstrait. Donc, vous verrez dans quelques temps ce que j'ai fait en abstrait. Bon, je rigole d'avance. Mais bon, je suis comme ça. J'ai des moments où je dois faire un break. Et quand je fais un break, je fais de l'abstrait. Voilà. Je vous montrerai ça. Merci Yann pour ta PY, quoi. Aujourd'hui, je vous montre encore sa carte assortie avec ses vœux. Et puis, sa deuxième carte de vœux. Ah ouais. Deux cartes de vœux. Merci Yann. Et puis, c'est un collage étiquette. C'est vraiment très gentil. Très gentil. Désolée de ne pas avoir fait le challenge. Je suis bretonne et je suis têtue. Et puis, quand j'ai dit non, il faut que j'arrête un mois, et ben voilà. Merci Yann pour la PY. C'est vraiment trop, trop gentil. Donc, on va passer au lot que j'ai gagné sur la chaîne dans l'atelier de Brigitte. Donc, c'est une chaîne que j'ai découverte il y a quelques mois. Je suis hyper contente d'avoir découvert sa chaîne. C'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà, qui fait les choses sans chichi, qui est très douée. Voilà, qui fait des créations magnifiques. Et puis, elle a fait un tirage au sort commentaire. Donc, comme je commente beaucoup les vidéos, même les balles, j'adore les balles en ce moment, elles sont très inspirantes. Je vous invite à aller voir vos copines qui font des balles, parce que vraiment, c'est quelque chose de magique. Voilà. Donc, j'ai gagné un lot au tirage au sort sous une de ces vidéos. Donc, on va découvrir, c'est un tampon, voilà, hop, un très très grand tampon. D'abord, je vous montre sa carte, voilà, c'est très très joli. Très très belle étiquette. Félicitations, écrit à la main, avec des petits nœuds dans les coins, des petites branchouilles avec des demi-perles. Voilà, très chic. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, c'est très très joli. Alors, c'est dans l'atelier de Brigitte sur YouTube. Je mettrai le lien en barre d'infos, ainsi que la chaîne de Yann. Dans le petit i, le tuto de la PY. Ah, voilà, j'essaierai de ne pas oublier quoi que ce soit. Ah oui, moi aussi je suis super contente parce que quand j'ai vu la planche de tampon, voilà, vous allez voir, c'est juste topissime. J'aime beaucoup, franchement. J'ai essayé de la mettre là-dessus. Il y a des tickets, une carte,
des tampons très nickel. Je vais l'enlever du sachet parce que ça brille, vous verrez mieux. Voilà. Je suis méga contente. En ce moment, elle fait un petit concours. Donc, je vais participer. voilà. Je vous invite à participer aussi, si vous voulez. Je mettrai le lien de la vidéo concours en barre d'infos. Voilà. Ça brille. Hein. J'espère que vous voyez bien. Alors, donc là, il y a un ticket. Je ne sais pas si on voit bien. En ce sens-là, c'est mieux, Annie. Oh, bah, oh, bon, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, un superbe ticket. Voilà, comme ça, c'est encore mieux. Hein. Un superbe ticket, là, en bas. Ça brille. Hein. Si on voit. Un ticket, une étiquette rectangle, ronde. Une autre étiquette. Ah là là, j'adore. Un très grand tampon comme ceci. J'adore. Franchement, il est magnifique. Et là, un superbe ticket avec des petits crantages sur le côté. Voilà. C'est trop, trop joli. J'espère que vous voyez bien. Je suis méga contente. Voilà, Brigitte, je te fais de gros bisous. Je te remercie beaucoup pour le lot. Voilà, je suis contente. Très contente. Sur ce, ben, je vous laisse. Hein. Je vous fais de gros bisous. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les filles qui font le challenge. Voilà. Lisa, Nat, Mimi, je crois qu'il y a Béa aussi. Béatrice, Création Altea. Je crois, hein, je ne suis pas sûre. Hein. Mais Isa, Mimi. Enfin, de toute façon, on va mettre les liens en barre d'infos. Donc, allez-y. Surtout. Et puis, moi, je vais faire pareil. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ben, ce sera encore une balle. Eh ouais, encore une balle. Parce que j'ai eu un colis de Belgique. Et puis, j'ai un autre courrier anonyme. Hein, je ne sais pas qui c'est. C'est pour les vœux. Donc, je ferai une deuxième balle parce que autrement, ça va être trop long. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!